Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 septembre 1899. Le ministère des colonies a rendu publique la réponse édifiante faite par le capitaine Voulet au lieutenant-colonel Club, précédant le drame que l'on connaît. Mon colonel, avant même de m'adresser copie des pouvoirs en vertu desquels vous prenez, dites-vous, le commandement de la mission, vous m'envoyez deux notes comminatoires et conçues en termes presque grossiers. Cela m'est une preuve des sentiments peu généreux que vous nourrissez à mon égard. Vous vous êtes certainement rendu compte de l'infamie que vous avez commise à mon égard en venant ainsi, poussé par l'ambition effrénée, me voler le fruit de mes efforts. Mais vous avez fait fausse route en supposant que j'accepterais bénévolement une déchéance semblable. En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître, premièrement, que je garde le commandement de la mission. Deuxièmement, que je dispose de 600 fusils. Troisièmement, que je vous traiterai en ennemi si vous continuez à marcher vers moi. Quatrièmement, que mes hommes ont tous été consultés au sujet de savoir si nous devions accepter la situation que vous voulez nous offrir et que tous ont décidé de me suivre dans la voie que j'ai indiquée plus haut. Cinquièmement, enfin, que je suis résolu en cette circonstance à faire le sacrifice de mon existence plutôt que de subir l'humiliation que vous avez ordre de m'imposer, mais aussi que je préfère jouer le tout pour le tout, et surtout ne pas laisser par un suicide stupide la place nette à un intrigant de votre espèce. Bonne journée, madame, monsieur, et à demain.